Salut à tous, bienvenue, le Up Tour débarque à Ashdod, c'est tout de suite. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'Emploi. Un jingle dynamique pour une équipe choc. Voilà, je vous présente Tatiana Zilberman, si vous ne la connaissez pas encore. Et pourtant, elle fait de l'orientation professionnelle et du placement en entreprise au sein de Qualita. Salut Tatiana, comment Bonjour, ça va? Bonjour Cathy. Bien, ça va, et vous? Ben, moi, ça va bien. Bon, puis, on se voit quasiment tous les jours. Et je peux vous dire que ça bosse dur pour organiser ce Up Tour à Ashdod. Alors, où on en est? Voilà, donc on arrive, les citoyens d'Ashdod, préparez-vous, on arrive dimanche, le 30 décembre, chez vous. Okay. Ça va se passer donc, où? Ça se passe sur Shderot Herzl numéro 1, c'est Binyan United Koma Rishona, ok, c'est sur l'étage de la galerie apparemment. Mm-hmm. Voilà, donc il faut s'inscrire, il faut appeler et s'inscrire Comment chez nous. Comment on fait? On appelle Qualita? On appelle Qualita sur le 02 ouais. 50 20 444. Vous parlez à Elisa et qui va gentiment vous inscrire pour les différents services qu'on va tout de suite en parler. Ouais. Vous pouvez aussi envoyer simplement un mail sur emploi. @qualita.org.il okay. Et puis on va vous répondre et on va pouvoir donner toutes les informations nécessaires. Alors, pourquoi c'est important quand on habite Ashdod d'aller justement bénéficier de ces services du Hub Tour? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est toute l'équipe de Jérusalem qui se déplace à Ashdod? Voilà, on va partir tous dans une voiture. Ok, tous ensemble. Et on va pouvoir en fait donner les services qu'on donne de manière générale à Jérusalem et à Tel Aviv en ce moment. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que vous allez trouver? Par exemple, j'habite à Ashdod, je cherche du boulot, je m'inscris à l'atelier, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc simplement, vous allez rencontrer une personne qui va vous orienter et vous guider comment chercher votre placement en Israël. Si ça se trouve, on a un emploi tout de suite à vous proposer, qu'on pourra directement vous préparer à un entretien d'embauche et envoyer votre candidature. Pour quelqu'un qui cherche à se réorienter, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il recherche, il cherche une nouvelle voie en fait. On peut aussi rencontrer la personne d'orientation. On va rencontrer la personne qui fait ça aussi. On va tout vous expliquer, c'est quoi le processus, on va vous guider un pas après l'autre. C'est-à-dire que quand on est un peu, c'est pas toujours facile de s'extraire quand on cherche du boulot, parfois on est un peu paumé, on se dit je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience. Il faut quand même venir au Hub Tour. Il faut venir. C'est en fait, ça sera un premier contact qu'on va, créer en fait une première relation qui va durer jusqu'à ce que cette personne elle trouvera l'emploi. Ah, vous allez pas les lâcher. On va pas les lâcher. On fait un suivi. C'est important pour nous de savoir qu'on a réussi, donc on va pas lâcher la personne. Ok. Alors vous faites de l'orientation, de la reconnaissance de diplôme, puisque toute l'équipe y va, et bien sûr du placement en entreprise. Il y a peut-être des annonces qui peuvent correspondre, qui peuvent vous correspondre si vous habitez à Ashdod. Donc vraiment, ne lâchez pas, venez. Est-ce que tout le monde peut venir? Tout le monde, tous les âges. Ouais. Ça veut dire depuis tout jeune, ça veut dire qu'il vient, il a son bac, il est prêt à partir sur le marché du travail, jusqu'à ce que ça veut dire quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience, qui est venu déjà avec un bagage assez large. Tous les âges, on reçoit tout le monde. Alors, est-ce que si on n'est plus au Léchadage, ça veut dire si on a plus de 10 ans d'Alia, on peut bénéficier des services du Hub? Oui. Vous pouvez venir, tout le monde. Ça veut dire, c'est vrai que par la loi, les droits s'arrêtent après 10 ans. Mm-hmm. Mais chez Qualita, on reçoit même des gens avec 15 ans et 20 ans et 25 ans en Israël qui ont besoin encore d'être aidés et guidés pour trouver un emploi ou se réorienter effectivement comme j'imagine que c'est des gens qui viennent d'arriver. Alors j'imagine que tout ça, c'est gratuit. Oui. À part les 100 shekels. Ça veut dire, quand on arrive au Hub Tour, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. À partir du moment où vous allez venir dans nos bureaux, recevoir les services qui sont au bureau, il y a un paiement d'une seule fois où on paye 100 shekels et on pourra utiliser tous nos services autant qu'il faut. D'accord. Sans aucun paiement. Sans rajout, quoi. Voilà. D'accord. Bon, alors, toute l'équipe sera à Ashdod. On peut redonner l'adresse? Oui, Shderot Herzl, numéro 1.
Voilà, c'est facile. Je dérote RTL numéro 1. Allez-y, ne dites pas qu'on est seulement à Tel Aviv ou seulement à Jérusalem. Voilà, là, on débarque à Ashdod. Allez-y. Tatiana sera bien sûr présente. Elle se fera un plaisir de très bien s'occuper de vous. Merci, Tatiana. Merci, Cathy. À bientôt. À bientôt. Ciao, bye. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'Emploi.